Si tu veux que je descende diagonalement d'une case, j'appuie dessus. Si tu veux que j'avance de deux cases horizontalement, j'appuie dessus. Si tu veux que j'avance diagonalement de deux cases, j'appuie dessus. C'est la D. Et t'as pas moyen de m'avoir un E ou un truc du style ? Si le E c'est une case, c'est trois cases en ligne et une case du milieu en bas. Mais je crois que là j'ai rien frérot parce qu'il y a écrit 0. Moi, il y a que des zéros. En fait, je crois que j'ai récupéré tous les... Mais il y a des trucs que j'ai récupérés en double, en fait. Donc, je pense que je peux en avoir que 4. Ok, est-ce que maintenant, t'as des choses qui ont changé de ton côté ? Ouais, j'ai un 1 en B. Et 1 en D. En fait, je viens de rendre un B et un D. Moi, il me faudrait un A pour commencer, je pense. J'en ai pas. Moi non plus. Je sais pas comment. Je vais rendre tout ce que j'ai pris, comme ça, ça va... Oh mec, tu fais des choses, là. Qu'est-ce que j'ai fait, frérot ? Le B, c'est devenu 2, mais c'est peut-être pas ta faute, ça. Non, c'est toi, frérot. C'est toi, t'as tout pris. Qu'est-ce qu'il est con, quand même, notre personnage. On en parle ou pas ? Ce débile mental, il est bloqué par une... Alors, si tu veux, moi, j'ai 3 schémas. Le premier est très simple. Saute au-dessus de la grille, quoi. Redis-moi cette histoire de diagonale et compagnie. Je pense que ça va m'aider. C'est peut-être moi qui suis un petit peu à l'ouest et qu'il faut que je comprenne un petit peu ce qui se passe. Oh putain! Donc on a tous les deux la même chose! En fait, en gros, avec les tuyaux, tu relis. Tu sais, t'as trois trucs toi aussi. Alors moi, j'ai deux tuyaux qui sont les B et les D qui me donnent des distances différentes. Juste le B et le D, mais je les ai en double, donc ça me sert pas vraiment. T'as déjà essayé de connecter, tu sais, genre les trucs au mur là, avec les symboles là. Ouais, j'essaye, mais en fait, c'est souvent en diagonale et compagnie, et j'arrive pas à... Je sais que pour les connecter, il me faudrait un A. Parce que j'ai une petite flèche qui commence à gauche, et qui termine en haut. Donc c'est vraiment le truc le plus simple. Frérot, donne-moi des trucs, j'ai rien. Tu veux que je te donne le schéma que j'ai ? Non, non, donne-moi des tuyaux, t'as pris tous les tuyaux ! Non, 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 j'en ai pris que deux. J'ai pris un B et un D. Normalement, il t'en reste un autre. Dis-moi ce qu'il te faut, hein. Je crois que j'ai compris. En fait, toi, quand tu connectes, je dois connecter aussi de mon côté pour que ça fasse une espèce d'interconnexion, non ? Non, moi, je pense qu'on a des tuyaux et il faut qu'on se les partage, qu'on communique. Ah, je les vois, là, tes connexions ! Voilà, c'est ce que je disais. Ça, si tu veux, c'est mon point de départ. C'est bleu, non ? Ouais, c'est ça. Moi, c'est orange. Ok, sauf que moi, ton orange, je peux pas le connecter. Toi, il faudrait que ce soit le truc un peu... Ah ! C'est relou, en fait, à expliquer. Mais donne-moi d'autres pièces, là !
Mais gros, je fais comment? Tu veux que je... Tiens, prends la dé là et donne-moi une autre. Chasse. Envoie-moi une autre, j'ai trouvé. Tu veux une autre quoi? Une B ou... Tu prends la dé, tu connectes celui du haut et le final bleu. Ok? Envoie-moi le reste. Vas-y, il me reste plus qu'une dé là de toute façon. Ah, compliqué, putain. C'est bon, tu vois quelque chose ou pas? T'as fait quoi là, frérot? Là, j'ai connecté mon dé à mon départ jusqu'à en bas à droite. Ah ouais, non, celui-là, je peux pas l'accéder. Attends, je vais essayer. Qui est bizarre, c'est super mal. C'est dur. Est-ce que c'est pas toi qui t'occupe finalement de la sortie et moi de l'entrée? Donc ce serait à moi en fait d'utiliser par exemple le B. Putain, mais ouais. Ça a rejeté le. le tuyau là. Ouais, tu peux pas le mettre sur le mien en fait. Bah en tout cas, pas l'entrée. Mais attends, mon tuyau il a disparu. Ok, t'es d'accord? T'as combien? T'as une B et une D, t'es d'accord? Ouais, enfin là j'en ai plus, mais je vais les récupérer. Mais t'as rien d'autre? Non, j'ai que dalle d'autre, c'est pour ça que je te demandais un A, ça aurait été tellement plus simple. Mais j'en ai pas, j'ai autant de pièces que toi, il faut juste qu'on se démerde pour réaliser ça normalement. Donc la D me relie ton bleu à celui du haut avec un D. Comme ce que je viens de faire là. Moi, je viens de relier la sortie, et là, ça a fonctionné. De ton côté, t'as les deux boules qui sont connectées ou pas? La boule bleue, la boule orange. Ah, bah, la boule orange, là, elle vient de disparaître. Réapparaître. En fait, frérot, on peut que faire des diagonales. Est-ce que tu peux connecter une D de ton truc bleu? Comme ça, là, comme ce que je viens de faire. De ton truc bleu, de la sortie finale du bleu vers le haut. Bah... Bouge plus. Ok, là, t'as utilisé une D, on est d'accord? Là, j'utilisais une B. Utilise la B pour connecter mon truc orange à un truc au-dessus. Je crois qu'il a le même plan que moi. Je ne suis pas sûr. Mais c'est sûr. Ok. Mec, on va récapituler. D'accord? Pour qu'on soit sûr que ça fonctionne. Là, frérot, tu as une grille de 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4 x 4, ok? Ouais, j'ai exactement ça, 4 x 4. T'as un orange en bas à droite et un bleu au deuxième en partant du bas à gauche. Un losange... Attends, répète. Ok, mec. Ok. Il faut qu'on soit sûr qu'on a les mêmes tableaux, le même schéma. Donc, en bas à droite, t'as l'orange, c'est bon? En bas à droite, non, j'ai pas d'orange. Moi, il est en haut. Ah bah voilà. Donc, ton orange, il est où sur le tableau?
Alors, on part du principe que la gauche, à partir d'en haut... Non, 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 stop. Ensuite, c'est D, C, et ensuite, c'est D pour descendre. Ensuite, en haut, c'est 1, 2, 3, 4. Alors, moi, j'ai le A1 qui est bleu. D'accord ? Et le A2 qui est orange. Donc, la verticalité, c'est A, 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 B, C, D. On est d'accord ? C'est ça. Donc, A1, t'as bleu. Oui, oui. Et A2, c'est orange. Attends, A1, t'as bleu, et A2, c'est orange. Exactement. Et là, t'as relié quoi, frérot ? Là, j'ai mis A1 sur B2. Et j'ai mis A2 sur C3. Comme ça, au pif, hein. A1, tu l'as mis où ? Sur B2. Mais nous, c'est peut-être les formes, en fait, qui nous lient. C'est peut-être pas le numéro... Ah, je vois des trucs qui s'affichent. Hésite pas à spammer, toi. Hésite pas à les poser, même au pif, tu vois. Au bout d'un moment, ça va passer, non ? Frérot, j'ai capté. En fait, faut juste que tu relies. C'est tout simple. Faut juste que tu relies le orange à la sortie finale. J'ai tout compris. Là, ok, alors je t'explique. Moi, en C2, j'ai relié orange à C2. Maintenant, toi, ça t'a allumé une gélule. Et cette gélule, tu la relies à l'orange et t'as gagné. Alors, j'ai relié l'orange, effectivement, ça fonctionne. Par contre, je peux plus rien placer, si tu veux, en A1. Donc, je sais pas si c'est important pour moi, le début, le bleu, si tu veux. Oui, le bleu, il faut que tu le connectes, frérot. Parce que sinon, moi, je perds la connexion. Ok, bah, comment te dire, le truc, c'est que la sortie, c'est pas possible pour... Et comme ça, et maintenant. Ça, c'est parfait. En fait, je pense que c'est les formes qui nous lient. Donc moi, ce qu'il faudrait que t'allumes en bleu, c'est un espèce de cercle, mais un peu écrasé. Voilà, mon bébé, let's go. Allez, on progresse. J'aime bien les formes, c'est pas mal. T'as mis dans le mille, avec les formes, t'as mis dans le mille. Là, t'as vu, on a 4A, 2D et 2B. Bah, j'imagine qu'il faut qu'on partage. Exactement. Et après on se démerde pour s'il y en a un qui a besoin de plus que d'autres. Exactement. Alors j'aime bien le côté de on relie les formes, ok ? Ouais, bah ouais, c'est plus simple. J'aime bien cette énigme, hein, en vrai, elle est rigolote. Ok, donc moi, pour le orange, il me faudrait que ce soit avec un losange. Moi, orange, c'est Iron Man. Je vois, ok. Sinon, si tu peux pas, je peux faire autre chose. Hein. Orange, moi je peux faire le bleu si tu veux, j'ai beaucoup de signes autour. Moi je peux faire l'ovule, l'ovale pour le orange si tu veux. C'est pas bon là Iron Man là, c'est pas le bon truc. Ouais, deux secondes là, j'essaie de me dépatouiller. Le pentagone, 1, 2, 3, 4, 5, le pentagone il est relié au bleu moi. Bon, il se dépêche, c'est pas compliqué putain. On devrait l'envoyer...
Remets. Non, c'est pas bon, ça c'est de la merde ça. Et c'est pour ça que je vais retirer. Moi je peux lier le pentagone. Ok. Le bleu. Viens, on commence sur le bleu. Je peux le lier au pentagone ou à 1, 2, 3, 4, losange. C'est pas compliqué. Moi j'ai posé ça au pif hein, en vrai. Franchement, j'ai aucune idée là. Pour l'instant, je suis en train de faire des tests pour savoir à peu près ce qui peut nous aiguiller. Mais quel test, mec? Le bleu, tu le relis soit au losange, soit au pentagone. Fin du game. Mais non, parce que tu peux pas forcer. Deux, trois cases, c'est pas possible. Y'a rien d'aussi long. Okay, attends. Là, t'es en train de me dire le bleu, là, t'as un problème pour le relier? Bah, le seul truc en fait qui est proche et sur lequel je pourrais le placer, si tu veux, c'est l'espèce de cercle écrasé et l'espèce de croix de Templier. Là, ta cellule bleue, elle s'allume où, là? Elle s'allume à côté de mon orange. Donc, si je place le B, je pense qu'à mon avis, ça fait tout exploser, mais... Attends, on va essayer. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est dans le losange, on est d'accord? C'est bel et bien dans le losange, ouais. Et moi, je t'ai normalement allumé de ton côté, j'ai allumé le cercle un peu écrasé. Non. Comment ça, non? Ah, putain, d'accord. Le point de départ, en fait, pour moi, c'est le orange. Ok. Tu vois quelque chose, là? Ouais, orange sur le losange. Et c'est pas bon. Le orange, pour moi, il doit être soit sur Iron Man, soit sur rond écrasé. Ok, c'est bon là? C'est sur le rond normalement, le orange. Frérot, c'est rond écrasé, moi, il faut. Attends, si je fais ça, ça renvoie ton orange dans rond écrasé, non? Je vois rien du tout là pour l'instant. Non, parce que t'as supprimé ce que t'as fait. Remets le orange là où tu me l'as mis. Là, il se passe quoi? Là, ça m'a mis le orange sur le rond écrasé, ouais. Ok, maintenant ça nous avance à quelque chose ou pas? Bah moi ça m'a validé de mon côté en tout cas. Et toi t'as quoi à connecter exactement? Moi ça a validé mon schéma de mon côté. Ah non, attends. Bah je comprends rien, ça me saoule. Ah là t'as retiré un truc. J'imagine que c'est le rond écrasé. Là, je fais passer ton orange dans Iron Man. Non, on voit pas l'écran de l'autre, les gars. Du coup, on paraît pour des gros débiles, mais on ne l'est pas. Et là, ton orange, je le fais passer dans l'espèce de croix templière. Mais je peux aussi le faire... Ok, donc tu comprends que quand je fais passer ton orange ailleurs, ça le renvoie ailleurs chez toi aussi, tu sais?
Ouais, je viens de comprendre. Bah, il y a 5 minutes, quoi, mais... Donc moi, mec, pour gagner, j'ai besoin que Orange passe dans Iron Man ou dans Rond aplati. Ok, refais ce que t'as fait, alors, du coup, avec le Orange. Ok. Donc le Rond, toi, ça t'intéresse pas du tout. En fait, ton Orange, il faudrait que tu le fasses passer déjà par autre part. Refais. C'était bien, ça, quand tu me l'as fait passer dans Iron Man. J'ai gagné, moi. Ok, moi, faut encore que je connecte le bleu. Et le bleu, il est à côté du Templier. Ton Orange, c'est bon ? Mon Orange, ouais. Je suppose. T'as truc à côté du signe Templier sur lequel tu peux me faire bouger de l'énergie ou pas ? Alors moi, je t'envoie le bleu, là, d'accord ? Sur Pentagone. Ah bah du coup il va me falloir je pense un deuxième B. T'en as besoin toi j'imagine. Tiens je te le mets. C'est merde. Ok normalement ça a activé le losange de ton côté et il faudrait que tu m'actives en fait la croix de Templier. En fait, j'ai plus de tuyau là, mon frérot. Je t'ai envoyé un A. GG. Allez, suivant. Let's go. C'était vraiment facile. Extrêmement facile. En vrai, il est vraiment posé ce jeu, j'aime. Ah mec, là tu vas en rigoler parce que le E il est vénère. T'inquiète, franchement. Pisse de chat. Alors, moi, l'énergie. Non, on va pas les faire passer en cross. C'est bien ce que je t'ai fait ou pas ? C'est de la merde. Bon, alors, si on se concentre sur bleu. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on se concentre sur les deux en même temps. J'ai besoin de... bleu, c'est croix... la croix. Ou Iron Man. Ok. Autant dire qu'ils sont pas à côté... Pour moi, bleu, c'est Iron Man aussi à côté. Là, je te l'ai envoyé dans le cercle, mais ça te sert à rien, non ? Attends, je récupère mes trucs parce que ce jeu de merde me les supprime. Ah, c'est parce que je t'ai envoyé un truc sur... Ou alors, t'as essayé de le poser, en fait, sur un truc... Là, c'est pas bon du tout, frérot. Alors, attends. Là, je vais essayer d'envoyer ton bleu quelque part. Vas-y, je l'envoie là. Tu peux me le renvoyer dans le... Dans la croix. Deuxième... un deuxième B. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est le moment de le faire maintenant ? Putain, le E, il est trop chiant. Attends, refais-le. Refais ce que t'as fait. Remets le bleu où tu l'avais mis.
Là, tu me l'envoies là. Donc là, moi, j'ai fini le bleu. J'ai fini le bleu. Et le orange. T'as fini le bleu aussi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as parlé en même temps. Qu'est-ce qui se passe? T'as fini le bleu? Yes, j'ai fini le bleu. Et pour le rond, moi, il faudrait que ce soit le rond écrasé. Tu m'as remis du bleu là, je comprends pas. C'est bon? Bah ouais, j'ai tout de validé moi. Ah, tu viens de retirer le bleu. T'as retiré un truc là, non? Oh putain. Ok, le bleu, tu le veux où? Bah là où il était avant en fait, parce que pour moi ça marchait. Non, c'était le logo de Iron Man. Ou le Pentagone. Moi j'en ai deux pour le bleu, voilà. Ah putain. Et juste avant en fait t'avais mis le rond écrasé. Et pour moi c'était ok pour le orange. Et moi j'ai tout validé là. Ouais, pas moi frérot. Qu'est-ce qu'il te faudrait toi? Il te manque quoi exactement? En fait, il faut peut-être que tu utilises ton E pour envoyer l'orange ailleurs, mec. Yes. Orange, pour moi, c'est Croix ou Iron Man. Ok. Du coup, moi, j'ai le bleu encore à valider, mais du coup... Il me faudrait un B. Non, non, c'est pas bon là. Là, t'es sur Pentagone, t'es pas sur Iron Man. C'est quoi ça, c'est... Oui, avec l'orange, mais là, il me reste plus que le bleu à valider. Donc, pour valider le bleu, il me faudrait juste un B. Le sextagone là, le sextagone, mec. Ouais. Bon, dis-moi de quoi t'as besoin, toi. Ok. Non, mais qu'on se mette d'accord. Tous les deux, là. Le bleu, moi, j'ai besoin de Croix ou Iron Man. Ok? Et là, normalement, tu l'as. Tu l'as balancé où, là? Je l'ai balancé sur Iron Man et le Pentagone, là. Frérot, je t'ai dit Croix ou sextagone. Là, le bleu, tu me l'as mis dans le rond. Le bleu, tu me l'as mis dans le rond. Bon, attends, qu'on soit clair. Je pense qu'à mon avis, on a tous des outils là qu'on doit s'échanger. Eh, t'as combien de bleus là, frérot? Mais là, j'en ai deux. J'ai deux bleus là. Putain, ça vient de me faire gicler un truc. Et c'est où? Où ça? C'est trop loin du bleu et du orange pour que ce soit utile en fait. C'est pour ça que pour moi, le E, c'était une solution, tu vois. Comme ça, là. Pouf. Et quand je mets comme ça, tu peux m'envoyer le bleu dans la croix? Attends, tu le veux dans la croix, maintenant?
Le bleu, idéalement, je le voudrais dans la croix ou Iron Man. À chaque fois, tu le mets dans le pentagone, mais je te demande le sextagone, frérot. Mais non, mais c'est pas possible. Puisque là, je viens de le changer. Tu peux pas me dire que c'est le même truc. C'est la première fois que je le mets dans signe. Et là... Là, c'est le carré, le losange. Et ça... Putain, j'ai envie de crever. Allez, c'est bon, normalement j'ai gagné. Frérot, on a gagné là, je pense. Envoie dans la croix le bleu, c'était bon. Gros, la croix, elle est à l'opposé de tous mes trucs, je peux pas. Sauf si j'ai un deuxième B ou un truc. Ouais. Bouge pas. Cette histoire commence à être. Vas-y, remets le rond. Remets le rond en bleu. C'est sûr, c'est ça. Je vois pas d'autre solution. Est-ce que tu peux remettre le rond en bleu ou pas? Je peux pas remettre le rond en bleu. Si tu renvoies pas le bleu sur croix. Ou... ok, là c'est bon. Qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Remets le orange en fait sur le pentagone, donc le truc avec 5 côtés. Et toi le bleu, il te faut toujours la croix. On est d'accord ou pas? Le bleu, ouais, c'est la croix, ouais. Est-ce que tu peux m'activer un autre truc en bleu? Et si oui, lequel? Là, bleu, je pourrais te mettre le... la croix, justement. Ou Iron Man. Ok, mais Iron Man. C'est bon là? Pour moi non, parce que maintenant c'est le bleu qu'il me faut. Tu vois le truc c'est qu'il y a un problème je pense. Moi je pense que le E me sert à rien. Il me faudrait plus un C à la place ou un truc du style. Enfin c'est... Le E doit nous servir à tous les deux frérot, je te le dis. Ok. En gros je te donne mon setup, d'accord? Regarde si tu peux t'adapter par rapport à ce setup, d'accord? Vas-y. Voilà, là j'ai gagné moi. Moi mon setup il est fucked up, alors qu'avant il était nickel, mais toi c'est bon. Bah c'est bon si t'envoies orange dans Patagone, orange dans cercle écrasé. Et bleu dans croix. Cercle écrasé, ok, y a pas de souci, je te mets le C, y a pas de problème. Moi ça me va pour le orange. Ah, le truc il me dégueule mes tuyaux, je sais pas pourquoi. Parce que t'as deux bleus. Comment ça j'ai deux bleus? Putain. En gros quand on met le E ça split en x2.
J'ai un E en trop, moi, si tu veux. Mais c'est exactement ce que je me dis depuis tout à l'heure. C'est que même moi, je dois en avoir un. Tiens, vas-y, vas-y. Je t'ai filé un diagonale en trop. C'est l'enfer, ce jeu. Eh, je t'ai envoyé un truc en plus, là. Un E. Vas-y, je vais le récupérer. Oh ouais, mais le problème, c'est que là, t'as mis le... nouvel épisode de SOS Streaming, jamais de la vie. Il me faudrait du bleu, en fait, à la place du... J'aide plus personne, frérot, ça sert à rien. Du pinta... Ça, c'est bien. Ok, et là, le truc écrasé... Attends, bouge pas. C'est très bien, en fait. Moi, je suis ok de mon côté, maintenant. Ok, donc tout ce qui me manque, moi, c'est que le bleu passe dans la croix, là. Et du coup, attends, je vais tenter un truc. Remets le rond bleu. Et normalement, ta croix va s'activer. Ok, mais il me manque un B. T'en as un en rab ? Gagné. Quel bordel! Oh waouh, il y a de l'électricité, frérot, ça y est, on retourne dans l'action là! On retourne dans l'action! Ah, c'est bon là, on va sortir les mitraillettes. Ça y est, on sort les mitraillettes, vas-y go! J'arrive. Tout ça pour débloquer une putain de porte. Vas-y, non, c'est pour activer l'électricité pour qu'on puisse sortir d'ici. 3, 2, 1, clic. 3, 2, 1, clic. 3, 2, 1, tiens. On a gagné! Bien joué, Chèche. C'est bon, on a fini le jeu, là? Là, je pense... Oh, merde, pourquoi on descend? J'ai pas de scaphandre! J'ai plus d'électricité. C'est pas grave, on a des torches. Chat, c'était vénère. C'était vénère, quand même. On a compris assez vite quand même, donc ça va. On va pouvoir survivre au moins 4 heures. On a compris assez vite, vraiment, mais c'était assez vénère. Je t'avoue là, elle commence à m'assommer les énigmes. Non, moi j'ai... Je suis pas fatigué, hein. Moi j'avais mon parcours, j'étais plutôt sûr de moi. Et le E c'était un backup pour moi, donc... Et la preuve là, le E était pas nécessaire. Donc il avait raison. Ouais, ça tape. Ça tape un peu. Par contre, je les entends, elles font... C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, le son que tu viens de faire, moi, c'était le même son quand je mangeais des boules, là. Ah, mais c'était le bruit de mes neurones qui explosaient. Ah, ok. Est-ce que tes neurones, c'est des boules? Bah, je suppose que toutes les cellules, c'est un peu des boules, tu vois. T'es un peu beauf sur les bords, non? Ouais, j'en ai plus rien à foutre qu'on dise que je sois beauf. Beauf, chauve. Chauve? T'es con ou quoi? J'ai plus de... Beauf, chauve, rageux, aigri, vieillard. Ta gueule, tu verras dans deux... Avec moi. Putain, attends! Y'a un cockpit, frérot! Y'a mon siège de capitaine! Enculé! Allez, salut! C'est ça! Et attends! Mec, y'a un octopus qui nous a baisé nos mères! Moi, je suis libre, hein, je suis parti là, y'a marqué The Hen! Pourquoi je suis pas monté dans le siège? Ah ouais, il me regarde avec un œil. Pourquoi j'ai pas monté dans le siège? Ok, j'ai un clavier devant moi avec plein de signes et la pieuvre me regarde en mode ah je vais te manger et ah
Ok, alors je t'explique. Château. En gros, j'ai des signes, genre le signe d'infini avec une croix dedans et un losange rempli. Ça veut dire château. Ok. Là, c'est bon? Je viens de faire ça là, attends. Non mais attends, attends, c'est pas un ordre. Dis-moi, dis-moi si t'as des symboles là. Ouais, ce sont... je les ai, je les ai, je les ai. Signe infini, c'est oui. Signe infini plus losange rempli de noir, c'est oui. Bon, quand tu te trompes, tu vas crever en fait, là j'ai l'impression. Sans déconner. Mais pourtant j'ai fait ce que tu m'as dit. Je t'ai fait le losange rempli et le signe infini avec une croix. Oui, mais attends avant de faire quelque chose. Vas-y, dis-moi tout. Donc, j'ai écrit « Répondez sincèrement à ces questions ». Donc, t'as sûrement des questions devant toi, frérot. Et moi, je vais te dire comment répondre à ces questions. J'ai zéro question, moi, de mon côté. Ok, donc peut-être que... Moi, j'ai des symboles, sinon. Je peux tirer des trucs et pousser des boutons. J'ai un bouton avec... une bite. J'en ai un autre, c'est un TIE Fighter de Star Wars. Un autre symbole de l'infini. Un autre, c'est un sgeg qui pendouille, genre une douche. Et une autre, c'est une chaise. On a à peu près les mêmes symboles, je pense. Et ensuite, je peux tirer soit un petit bonhomme avec le bras levé, une chaise. Mais avec une croix cette fois, et une chaise avec une croix toujours en bas, mais une boule dessus. Ouais, j'ai les mêmes trucs. Et à ma gauche, moi, j'ai une oreille. Eh bien, écoute, à l'oreille, j'en sais rien. Non, mais je pense pas que ça change grand-chose d'appuyer dessus. Tu veux que j'appuie dessus? L'oreille? Ouais. Mais c'est quoi, c'est un autre bouton ou ça fait partie du bouton? En fait, moi j'ai tout un clavier devant moi. J'ai effectivement les mêmes touches que toi. Donc l'espèce de douche bizarre, les couilles, un truc qui ressemble à une bite, une chaise avec une boule dessus. Un signe qui ressemble à un bonhomme, un signe qui ressemble à un bonhomme avec deux têtes. Un autre truc qui ressemble à un escalier. Un autre, un espèce de petit serpent. T'as une moustache? Une moustache, ouais, ouais, ouais. Et t'as le losange rempli? Le losange rempli... Ouais, le losange... aplati, on va dire. Qui est plus vers l'horizontale. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, donc en fait, t'as des symboles que moi, je n'ai pas. Ok, donc à mon avis, en fait, moi, j'ai un livre là où il y a deux symboles. Ok, donc là, il y a une tub. Moi, j'ai la tub, par exemple. Et toi, par exemple, tu vas appuyer sur le losange. Et ça veut dire bonjour. Mais je sais pas si on va dire bonjour tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Bah, ce serait bien pour démarrer un dialogue avec la pieuvre avant qu'elle nous mange. Ok, alors je t'explique, je t'explique ce que je peux dire. Je peux dire, château, soyez, non, oui, peut-être, justice, puissance, salutation, explorateur, personne, arme, désir, flotte, sombré, bonjour, ami, ville, amour, vous, eau, insulte, blessé, roi, bouffon, vengeance, ennemi, oui, quoi, qui, glace, échappé, pourquoi. Ok, et on n'a pas des questions qui doivent apparaître? Peut-être qu'il faut dire bonjour avant et après ça va nous expliquer les choses. Ok, j'appuie sur la tub et t'appuies sur le losange. Ok. Attends. Eh, c'est vraiment le losange horizontal avec... rempli de noir, hein? Ça ressemble à un œil. Pour les 5 secondes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais y a rien à l'intérieur, c'est que du noir, frérot. Oui, c'est ça.
Ok, t'es prêt? Je vais tirer le mien. Mais moi, je dois mettre deux signes aussi. C'est ça que je comprends pas. Toi, tu peux en mettre qu'un seul? Ouais. T'as la bite ou pas? Ouais, j'ai la bite, mais en fait, en gros, je t'explique. Quand je sélectionne un symbole, il y a une décortication de symboles. Donc, par exemple, quand je sélectionne la bite, il y a soit une croix en haut de la bite, soit un crochet, soit une croix. Et la bite est plus épaisse avec la croix. Et il n'y a plus de courbe en bas, c'est droit. Ok, c'est chelou. Moi, j'ai une bite en croix et c'est pas vraiment droit au niveau du bas. Ah, t'as qu'une seule bite? Ah oui, j'ai qu'une seule bite. Donc t'as une bite avec une croix en haut et en bas c'est droit. Y a pas, c'est pas courbé quoi. En bas c'est pas ce que j'appellerais droit, hein. C'est plutôt courbé. Ouais mais c'est pas des roufliquettes quoi, genre ça remonte pas. Ça fait une batte de baseball si tu veux un peu. C'est droit une batte de baseball. Alors, c'est une bite qui va dont les extrémités, on va dire, par rapport à la bite, vont légèrement vers le bas. C'est pas droit comme un i ou horizontal de ouf. Oui, d'accord, mais le bas est droit. Ouais, d'accord. Ok, vas-y, clique dessus là. Ok, j'ai cliqué sur la bite. Bon, on est mort, frérot. Je sais pas. Si t'as pas d'autres infos, je sais pas quoi faire. Écoute, je transmets et on va voir, ok? Transmets quoi? Tu transmets quoi là? Tu mets bite plus losange là? Bah, losange plus bite. Tu m'as dit que ça devait dire bon. Ouais, mais c'est bite plus losange, pas l'inverse. Ah ouais, mais alors là, comment on revient en arrière alors? Ah c'est bon, j'ai pu annuler en mettant n'importe quoi, en fait ça marche. Ah putain, en fait moi le losange quoi qu'il arrive il est à gauche et la bite est à droite, donc ça change rien. Ok bah vas-y, on tente. On a gagné, je crois. On a gagné. Tu l'as fait? Ouais. Je crois qu'il est content, là. Il a dit moustache. Il a dit quoi? Moustache, trait d'union. Il a dit moustache, trait d'union. C'est quoi, trait d'union? C'est un trait vertical. Donc, moustache, trait vertical. Moustache. Non, je me suis trompé. Moustache, trait horizontal. Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est un gros trait de bâtard ou pas? Ouais, c'est un putain de trait. Je regarde. Quand tu dis moustache, mec, c'est vraiment une moustache ou c'est genre un trait vertical, ensuite une mini-tub et un trait vertical? Non, tout à l'heure tu m'as dit moustache et ça m'a parlé très rapidement. Hein. Ça. Ok, mais là j'ai pas de moustache trait d'union, frérot. Tu vois une moustache du vieux français, vieux boulanger, là, qui en remonte? Ouais, c'est ça, mais j'ai pas le suivi du tiré, frérot. Écoute, je lui redis bonjour ou quoi? Non, surtout pas.
En fait, là, il t'a posé une question, frérot. Donc là, là, il faut qu'on... Mec, je sais même pas à quoi ça sert, mes trucs de merde. Tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est moustache, trait d'union. T'as vraiment rien du tout. C'est ouf. T'as pas de questions, t'as rien, toi? Ah, il me redit, je peux redemander. Donc... Vas-y, allez. Ok, il peut me répéter la réponse quand je veux. Donc c'est moustache, moustache très dur. Mec, je peux rien faire de plus, j'ai rien du tout, j'ai pas de livre, j'ai que dalle. Et tu peux pas, avec ton livre, deviner un petit peu ce qu'il veut dire? Et l'oreille là, c'est quoi? C'est pour répéter en fait. C'est genre, ah, je t'ai dit bonjour, mais j'ai pas compris ce que tu m'as répondu. Et en fait, il répète ce qu'il a répondu. Putain de merde. Est-ce qu'avec le bouquin, tu peux pas deviner juste avec le mot moustache, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, juste le mot moustache? Non, c'est impossible. C'est que des combinaisons de deux, mec. Et t'as pas moustache plus trait d'union? Non. C'est chelou quand même. La moustache. Voilà, ça ressemble un petit peu à des cornes de sanglier, on est d'accord, ça remonte. Ouais, ouais, c'est ça, t'inquiète, on est sur la même longueur dans là-dessus. Le trait d'union, c'est juste un énorme rectangle rempli de noir. Exactement. Bah ouais, mec, y a pas, frérot. C'est bizarre, y'a rien dans le bouquin qui peut nous... Je te dis, moi de mon côté, j'ai que la phase action, j'ai pas du tout d'indice. Attends. Je crois que j'ai capté un truc. Mais j'ai ni moustache ni trait d'union, moi, c'est horrible. Ça ressemble à quoi? En fait, j'ai une machine là. Quand je tire les trucs, j'entends des sons. Ah, intéressant, parce que moi, il me donne des sons aussi. Ah bah voilà! Donc il faut que tu me donnes le son de la moustache. Ah bah voilà, c'est très simple. Alors, écoute bien, hein, parce que ça va être incroyable. Un truc du style. C'est aigu? Mec, je fais comme je peux. Ça fait... C'est pas très aigu, c'est un peu moins aigu que ce que je viens de te faire là. C'est juste... Mais c'est comme une baleine genre dans l'eau? Ouais, voilà, très bien. Ensuite, le deuxième son, on dirait... Attends! Attends, le premier son d'abord. Donc moustache, c'est... Exactement. Ok, je l'ai. Mais c'est pas moustache, parce que le deuxième moustache a un son différent aussi. Ok, attends, deux secondes. Laisse-moi poser le jeu, là, quand même, putain. Escape. C'est ça. C'est celui-là, ok, donc c'est what? Tu me dis quand t'arrives à capter. Je te fais le deuxième son après. Et encore, putain, c'est l'impression que ça, what? Vas-y, deuxième son, c'est quoi?
Alors, le deuxième son. Attends, j'attends qu'il me répète. Ça fait. Comme si tu jetais un lapin mort contre un mur. Ça fait vraiment. Ça fait un bruit de vraiment un truc qui s'explose sur le sol d'organique, tu vois. Comme ça? Ouais, attends, je refais, mais je pense que c'est à peu près ça. Ouais. Exactement. Comme ça? Ouais, c'est ça. Et après, c'est ça fait un espèce de ro. Un truc du style. Ok, t'en bouges pas? C'est tout ce que t'as? Ouais, c'est tout. Infini barré plus zigzag. Infini barré. Infini barré plus zigzag. Oh putain, je sens qu'il y a pas. Oh putain. Frérot, attends. Là, les sons que t'as entendus, ça représente quel signe de base? Moustache, trait d'union. Ça casse les couilles. Bi, soyez. Ah, peut-être que c'est mon son plus la moustache. Mais oui, c'est bon, je l'ai, frérot. Donc c'est soyez. Soyez. Attends, frérot, je dois décrypter en fait. C'est moustache plus zigzag. Tu es cryptologue. L'enfer, frérot, c'est toujours moi qui me tape les livres. Moi j'aime bien, hein. Qui? Soyez qui? Et t'as pas un troisième symbole? Mec, je t'ai dit tous les symboles. C'est deux moustaches et le rectangle. Qui soyez? Ouais, mais les traductions elles sont claquées au sol, frérot. Bi. En anglais. Who. Are. Are, c'est le verbe be? Are? Are, c'est le verbe be, les gars? Oui. Ok, donc who are. Et ensuite. Et les gars, donc tu m'as donné le son des moustaches, mais le trait d'union, tu m'as pas donné. Alors, tu trouves quelque chose ou pas, ma poule? Eh, t'as entendu ce que je viens de dire?
Mais non, pas du tout, je t'ai pas du tout entendu. Donc en gros, je crois qu'il me demande qui êtes-vous. On dit ami du coup. Attends, 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 on peut dire, roi, bouffon, ennemi, amour, ami, et attends, explorateur. Moi, je dirais ami ou explorateur. Après, je dirais bien nique ta mère, mais moyen. Ah, moi, j'étais parti sur bouffon, frérot. Ah, mais mec, on est deux dans l'équipe. Pour toi, oui, mais sinon, c'est chaud. Ah, justement, je pensais à toi. Ah ouais, bah moi, je pensais plutôt à toi. Ouais, mais c'est bizarre, c'est moi qui ai le livre, c'est moi qui l'ai inventé, tu copies ma blague? Ah ouais, miroir. Bouclier réflecteur. Contre caméra. Contre une. Oh merde, tu sais quoi, je vais lui envoyer une bite. Non, non, envoie rien. Bon, on lui dit ami. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le mec avec deux têtes qui lève les bras en l'air avec le trait. Pour dire ami ou explorateur? Ami, ami. Mais bon, moi je dirais ouais, explorateur, je sais pas, je trouve ça plus agressif que ami, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah je transmets. Donc, un monsieur avec les deux têtes qui lève les bras en l'air et le trait d'union. C'est gagné. Ah, il est content. Il est content, c'est gagné, frérot. Putain, on est en train de one-shot toutes les Il m'a fait un losange. Moustache. Et trait d'union. Pour les bruits, je vais te les répéter. Mais attends, t'as un curseur toi ou pas de son? Ouais, ouais, mais laisse tomber, vas-y, juste envoie les sons, frérot. Donc d'abord, c'est lequel? D'abord, dis le symbole et le son. Ok, le premier c'est un truc du style. Attends, les symboles, tu les as notés, non? Quand je te les ai dit. Non, tu les as plus? Attends, je te les répète, mais faut les retenir. Losange. Losange, voilà. Moustache. Et trait d'union. Enfin, le rectangle. Losange, moustache. Losange, moustache, rectangle. Ok, le son du premier, s'il te plaît. C'était. Est-ce que c'est plus un. Non, non, c'est un. Attends, attends, attends. Ok, donc c'est un aigu ou grave? Attends, je réécoute, mais il me semble que c'est Genre... Attends, deux secondes. Genre c'est un cheval ou une souris qui renifle? C'est plutôt aigu le premier. Donc en gros, c'est plus une fouine qui renifle ou un cheval qui renifle? Alors le premier son, c'est un petit animal qui renifle. Chaise. Par okay. contre, le troisième son, effectivement, c'est un cheval. D'accord? Mais le deuxième son, c'est encore le bruit du lapin qui s'écrase contre un mur. Ok, donc attends. Le troisième son, c'est le même. C'est le même que le premier, mais en plus grave. Ouais, 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 ouais. Ok, donc on a 1 et 3, et le 2, c'est quoi, tu m'as dit? C'est le... Ça fait... Tu vois? Le même que tout à l'heure. J'ai l'impression, ouais. Ça fait vraiment... Ouais, comme une... Une espèce de bulle de prout, tu vois. Ok. Donc, le 1, c'est chaise. Le 2, c'est infini barré. Non, mais y'a rien là-dedans.
Ok, attends, je traduis là. T'inquiète, vas-y. Et attends, donc le premier c'était quoi? C'était losange, c'est ça? Ouais, losange, moustache, rectangle. Donc le premier c'est roi. Mais il est où? Le troisième, c'est rectangle? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est infernal, frérot! Ça, c'est le 3. Rectangle. Ennemi. Le roi est un ennemi. Le roi est l'ennemi. Donc tu m'as dit le premier mot voulait dire roi. Attends. À mon avis, c'est le roi est un ennemi. Attends. Le deuxième son, c'était celui-là. Ok, bouge pas, je check encore. Donc le deuxième, c'était quoi? Donc moustache, ça? Le deuxième, c'était effectivement moustache, oui. Infini barré avec moustache. Ouais, c'est ça. Le roi est un ennemi. À mon avis, c'est une question, du coup, parce qu'il pose des questions. Et la réponse, c'est quoi? C'est oui? Bah, il me semble, hein, de ce qu'on a vu avant, c'est un ennemi, je crois. Hein. Vas-y, réponds oui. C'est infini avec une barre à l'intérieur, pas une croix. Et losange. Allez, c'est terminé. Vas-y, je lui envoie. C'est gagné, GG well played, c'est nous les boss. T'as 3 heures pour discuter avec une putain de pieuvre. Ouais, il est content. Il est content? Ok, là c'est barre verticale. Moustache. Remoustache. Oh, les sons vont être... Barre verticale. Ok, pour les signes, t'as compris, c'est barre verticale, moustache, moustache. Ok, barre verticale, moustache, moustache, envoie les sons. Ok. C'est un... T'as compris le premier? Attends, mais du coup, c'est le même que la dernière fois, c'est... Exactement. T'es prêt pour la suite? Vas-y. Ça fait... Ding dong dong. Un truc du style, tu vois. Mais imagine une bestiole qui le fait à ma place. Ok, attends. Comme ça? Ouais, c'est ça. Et ensuite, ça fait un bruit de serpent, par contre. Hein. C'est un bruit de serpent à sonnette. J'ose pas te l'imiter parce que j'y arriverai. Ok, attends, bouge pas. Le premier, tu m'as dit, c'était quoi? Au niveau des sons ou des symboles? Je crois que c'est les symboles et les sons. Vas-y, on renvoie tout, là. C'est barre verticale une fois et deux fois moustache. Donc barre verticale, c'est quoi, le son? C'est le...
C'est le truc qu'on a eu la dernière fois. Le... Ok, ok. Vas-y. Et ensuite, le deuxième, c'est tic-tac-touc, le criquet, quoi. C'est ça, moustache criquet. Et ensuite, c'est moustache serpent à sonnette. Attends, attends, attends. Laisse-moi déjà traduire ça avant que je tombe dans les pommes. Vaisseau spatial. Oh, ça va, t'as juste à lire un livre. Vaisseau spatial. Attends, non, le deuxième c'est vaisseau spatial, je suis con quoi. C'est quoi le premier déjà? Signe infini. Signe infini, vaisseau spatial. Superbe, je l'ai pas. Attends. C'est quoi tes symboles, s'il te plaît? C'est barre verticale, moustache, moustache. Peut-être. Moustache. Des explorateurs. Peut-être des explorateurs, quoi. Attends. C'est ça ? Pour lequel? Le deuxième ou le troisième? Le deuxième. Je répète. Ça fait... un truc du style. Ok, ok, donc peut-être des explorateurs. Et le dernier, vas-y. Ça fait vraiment un bruit de serpent à sonnette. Tu vois ce que ça fait, un serpent à sonnette? Un espèce de bruit de hochet. Le dernier, il est pas imitable. Me demande pas de l'imiter, s'il te plaît. Il va falloir que tu le fasses, mon ami. Non, ça c'est juste pour se foutre de ma gueule. Tu vois ce que ça fait, un serpent à sonnette, c'est pas possible. J'ai trois possibilités malheureusement, donc il va falloir que tu le fasses. Ok, d'accord. Bon, attends, j'attends qu'il repasse et je te le fais. Ça fait... Deux fois ou trois fois? Ça fait comme un bruit de... Ça fait plus un espèce de... De soupir animal, le deuxième son, si tu veux. Au début, ça fait... Un truc du style, tu vois. Est-ce que c'est... Bah, ça me paraît pas mal, ouais, mais je connais pas tes autres options. Ok, j'ai... Ou j'ai... Non, non, c'était le premier alors. Attends, je refais le deuxième. Non, ça ressemble à rien, ça. Le deuxième, il est en deux temps. Le premier, il est en trois temps, c'est ça le problème. Le deuxième, j'ai... Ok, moi, il est en deux temps. Ça fait... Ok, mais attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a un espèce de disque rayé, tu sais, comme en mode DJ entre la transition? Ah, attends, tu me demandes de le réécouter, là. Le troisième, c'est bité. Alors? C'est par, je crois. C'est quoi le dernier symbole? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça fait à peu près ça, ouais. Ça fait un... Et dans deux temps, pas trois temps, on est d'accord? En deux temps, ouais. Mais viteuf, hein, le CD rayé. Mais joli ref. Ok, et c'est quoi le symbole qui va avec? C'est moustache. Ok, donc c'est beat moustache. Sombré. Oh putain. Je crois qu'il nous dit, frérot... j'ai oublié.
Je vais du coup me référer à mon chat. Je crois qu'il m'a dit explorateur. Non, ça c'est deuxième. C'est quoi déjà? Peut-être explorateur sombré. Ah ouais. D'accord. T'es sûr pour le... Est-ce que t'as un truc pour voir ce que le son y fait ou pas? Un espèce de curseur? Non. Tu mens. J'ai rien, j'ai que un truc pour écouter le son. Ça fait bien... Un truc du style, tu veux. Oh putain, je m'en la. De toute façon, pas. C'est en deux temps. Tu m'as dit que t'en avais qu'un seul en deux temps. Que pour le deuxième, t'es sûr par contre. Ouais. Alors, attends, juste, je te répète. Le premier, c'est. Qu'est-ce que tu racontes? Non, le premier, c'est le bruit des baleines. Le premier signe, hein, on est d'accord. Non. Le choix du troisième, c'est entre celui-là et l'autre. Et j'ai besoin d'être sûr parce que sinon, il y a erreur, là. Donc, c'est... Ou... C'est pas compliqué, putain! Dis-moi! Je te le refais. Ça fait vraiment un bruit de hochet, puis un petit... Et encore un petit bruit de hochet. Mais tu vois, c'est très rapide. Pour moi, ça fait du deux temps. Ça fait... Mais en plus rapide. Le... C'est la transition, tu vois, entre les deux bruits de hochet. Ok, écoute-moi. Deux temps, c'est ça. Tac, tac. Ok, on est d'accord? Je sais ce que c'est de temps, je t'ai décomposé là, exactement tout ce qu'il y a en fait. Au pire, traduis les deux, non? Il y en a un qui doit être plus français que l'autre. Dans le sens compréhensif, tu vois. Parce que explorateur peut-être sombré... Non, le problème c'est qu'on a explorateur peut-être désir, ou explorateur peut-être sombré. Mais sombré, c'est de la merde, c'est une mauvaise traduction, c'est couler. C'est vraiment des connards les mecs qui ont traduit ça. Donc peut-être qu'on va couler, voilà, allez. Du coup, qu'est-ce qu'on lui répond? Bah on lui répond, je sais pas moi, franchement, t'as quoi comme réponse? Alors, j'ai justice, puissance, salutation, arme, flotte. Mais quand ils disent flotte, ça veut dire on peut flotter, je sais pas. Bonjour, ville, amour, eau, bouffon, ennemi, vengeance, insulte, blessé, échappé, pourquoi et glace.